Alors, Vicky Plourde-Bert, solidaire du personnel scolaire en grève cette semaine, va se joindre à moi. Puis on va voir avec elle comment les parents vivent avec ça. Bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors, on a beaucoup de gens entendu dire que ces grèves-là, ça compliquait la vie des gens. Ça faisait en sorte que les familles devaient s'organiser, que c'était hyper compliqué. C'est votre cas aussi, Mme Plourde. Mais pourquoi est-ce que vous soutenez les professeurs, malgré les soucis que ça vous cause à vous et votre famille? Bien, moi, d'abord et avant tout, je suis une maman, en fait, qui voit que le système de santé a énormément besoin d'investissement. Donc, la condition de travail des enseignants, du personnel de soutien, c'est exactement les conditions d'enseignement dans lesquelles nos enfants évoluent. Donc, je pense que investir dans le système d'éducation, dans le système public, en fait, c'est pas une dépense. Au contraire, c'est un investissement. On voit que les professeurs, le personnel de soutien ont de la difficulté à recruter. C'est difficile pour l'ensemble du réseau, là, nos enfants. Donc, on peut-être pas toujours là, les services qu'ils auraient besoin. En ce sens-là, donc, les parents, on est 100% derrière les profs, le personnel de soutien. Et la fonction publique quand, en général. Quand vous parlez avec les autres mamans, les autres parents autour de vous, à quoi ressemblent les conversations sur ce sujet-là? Mais en fait, c'est ce qu'on voit, c'est que les parents soutiennent à 100% là, les membres du personnel, et autant les enseignants que le reste. Oui, donc, la plupart s'organisent des journées de garde, des réseaux de solidarité, donc des plus vieux qui viennent garder. Mais on sent vraiment que les parents le soutiennent fondamentalement, donc les gens du réseau, parce qu'ils voient depuis des années les conditions d'enseignement se dégrader. On a une peine à recruter donc, des enseignants, des titulaires pour les classes. Les profs voient qu'ils n'ont pas les services auxquels leurs enfants auraient droit. Les classes sont surchargées, donc... Ils savent que c'est pas qu'une question salariale ou une question égoïste des profs. Là, c'est vraiment l'avenir du réseau là, qui est en jeu. En ce sens-là, les Québécois, là, on est, je pense, très solidaires. On sait, on tient à notre système de santé. C'est vraiment la colonne vertébrale de notre société. On a investi beaucoup dans ce système-là là, dans le passé. Donc, c'est un bijou auquel on tient, là, je pense, Donc, Mme Blot, ce que vous me dites, c'est d'un côté le système de santé, de l'autre côté le système scolaire. Dans les deux cas, ce que vous sentez, vous, c'est que le service qui est donné et en système de santé et à vos enfants, que ce service-là décline. Et que ce conflit de travail-là, ce que vous espérez, c'est que ça va permettre quoi? Ça va permettre de ramener plus de qualité dans les services? Mais en fait, on se demande, le gouvernement pense à quoi, là? Avec les baisses d'impôts qu'ils nous ont offert dernièrement, avec les chèques qu'ils ont fait pour contrer l'inflation, c'est comme s'ils envoyaient le message aux Québécois que finalement, ce qu'ils veulent, c'est d'en avoir plus dans leur poche. Mais en fait, les Québécois payent cher leur système public et ils tiennent. C'est vraiment un trait distinctif là, que l'on a au Québec. On a un État-providence fort. On tient à ce que ces services-là soient de qualité. Donc, on ne veut pas que les profs désertent le réseau, les systèmes publics. On veut envoyer un cri du cœur, un message d'amour donc à ces femmes, surtout, en fait, qui travaillent là, dans le réseau, que leur travail est important, qu'ils ne sont pas dévalorisés. Là, donc, Et Mme Plourde, qu'est-ce que ça a comme conséquence, la grève, pour votre famille, par exemple? Bien là, vous voyez, moi, je suis en ce moment à mon propre piquet de grève. Donc, je fais partie du Front commun. Donc, j'ai mes enfants, là... Pendant les trois jours de grève ici, là, à 6 heures de piquetage dehors, je les entends, ils me disent qu'ils sont fatigués, ils ne veulent pas être là. Je pense qu'ils préféraient être à l'école, effectivement. Mais c'est un coup à donner. Ils sont très au courant. Ils ont fait eux-mêmes leurs affiches là, ce matin. Ils comprennent à leur façon là, les raisons pour lesquelles leurs enseignants et les personnels du soutien font ça. Là, donc, ça signifie effectivement se réorganiser. Mais je pense que aussi c'est une belle occasion d'éducation pour nos enfants, aussi leur expliquer ce que c'est la grève, ce que c'est l'État public aussi, et à quel point donc c'est important d'y investir collectivement là, des ressources pour favoriser les conditions d'enseignement puis les conditions de travail de tout le personnel. Madame Blot, surtout, merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir.